Comme d'habitude, j'aimerais que, si je ne parle pas assez fort, qu'une personne à l'arrière me fasse signe. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Ce matin, on a plusieurs messages à vous transmettre. En premier, j'aimerais quand même recommander à vos prières M. Léo Jalbert, qui est décédé vendredi le 12 novembre. Il est le beau-frère de Mme Carmen Jalbert-Lessard, qui est une bénévole ici à Sainte-Geneviève. Toutes nos sympathies à la famille. Vous avez constaté qu'il ne restait plus beaucoup de carnets là, de l'avant, là, qui ont été placés sur les tables en arrière. Je les ai placés vendredi. Il y a un groupe de prières qui venait samedi. Plusieurs ont pris des carnets, ce qui fait que si vous êtes intéressé à voir le carnet, on a encore un peu de temps. Là, le dimanche de l'avant, c'est dans 2 semaines. Fait que je m'organiserai pour avoir d'autres carnets. Vous avez juste à signer la feuille avec votre nom, votre numéro de téléphone, puis on vous relancera. Vous avez probablement reçu, vous allez recevoir à votre domicile, la lettre pour la campagne de financement de la part de Dieu. Nous vous remercions de contribuer généreusement, comme à votre habitude, à cette activité de financement. Si vous voulez avoir des informations sur à quoi ça sert, on a un marguerier qui est à l'arrière qui fait l'accueil, M. Delisle, vous pouvez toujours lui en parler. La pandémie a bouleversé beaucoup les quêtes commandées là, qui nous viennent là, du diocèse, ce qui fait que la traditionnelle collecte pontificale qui avait lieu le vendredi saint se fera en fin de semaine prochaine, le 21 novembre. Le montant récolté par la quête sera envoyé pour la Terre sainte. C'est ce qu'on fait habituellement, c'est la quête qui est faite auprès des paroissiens. Il n'y a pas d'enveloppe spéciale à ce moment-là. Ce matin, par contre, vous avez pu voir là, qu'il y avait différents papiers dans vos bancs. Vous trouverez les enveloppes pour la collecte pour le Grand Nord et les missions diocésaines. En plus de ça, des personnes vont vous tendre la main à la sortie. Sinon, vous pouvez faire un don dans l'enveloppe et inscrire votre numéro là, de paroissien. L'autre élément très important, c'est que nous avons un besoin urgent de bénévoles en liturgie, particulièrement lors des funérailles. Merci de vous laisser interpeller et de donner vos coordonnées aux personnes à la sortie ou en remplissant le billet blanc là, qui est dans votre banc. Vous avez juste à spécifier pour quelle célébration ou pour quel service là, vous êtes prêt à vous impliquer. Et par la suite, on va vous contacter puis vous donner l'information nécessaire pour assurer ce service. Je vous remercie de votre collaboration et de votre contribution. La célébration aujourd'hui est présidée par Mgr Jean Bichet. Bonne célébration. Bonjour, je vous invite à vous lever pour le chant d'entrée. Saint-Esprit, que le Seigneur qui nous donne la vie et la croissance nous accueille aujourd'hui dans sa maison et qu'il soit toujours avec vous. Alors le chant d'entrée le disait, nous prions le Seigneur pour que son règne continue d'avancer
dans notre vie personnelle et dans notre monde. Et c'est agréable ce matin de voir que nous avons plusieurs jeunes familles qui se joignent à nous pour la célébration. Alors, entrons toutes et tous ensemble dans cette prière et au début, redisons au Seigneur que nous avons besoin de sa miséricorde. Pour tous nos refus d'aimer et de servir, Seigneur, prends pitié. Pour nos hésitations à croire à ta parole, ô Christ, prends pitié. À cause de nos réticences à espérer ton secours et ton amour, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous nous joignons au chant de louange. Seigneur, Seigneur, accorde-nous de trouver notre joie dans notre fidélité à ton amour, puisque c'est un bonheur durable et profond de te servir constamment, toi qui es le Créateur de tout bien. Nous te le disons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Amen.
aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus de sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue et il leur disait « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. » Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire, et il enverra les anges rassembler ses élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Oui, laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. Eh bien, de même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Alors, les gens de ma génération, il doit bien y en avoir quelques-uns ici dans l'Église, oui, exact, ça a l'air, se rappellent qu'autrefois, on appelait ces dimanches-là du milieu du mois de novembre les dimanches de la fin du monde. C'était pas très, très encourageant. Pas très encourageant non plus pour le prêtre qui était chargé de faire la prédication. Mais si vous avez bien remarqué ce qu'on vient d'entendre, oui, il y a des paroles qui nous parlent d'épreuves, de catastrophes, de difficultés, mais il y a tout autant de paroles qui nous parlent d'espérance. Si on repassait autant la première lecture que l'Évangile, on voit des mots comme « être délivré »,« s'éveiller »,« resplendir »,« être sanctifié », »,« se tenir debout », et on nous parle du Fils de l'homme qui va rassembler ses élus, ses amis, de toutes les extrémités de la terre. Donc, finalement, le message de Jésus, c'est pas d'être découragé devant les épreuves du monde, mais c'est d'avoir l'espérance dans sa présence et dans son amour. Quand les gens entendaient ça, dans la première lecture, un siècle avant la venue de Jésus, et dans l'Évangile, quelques années après sa résurrection, qu'est-ce qu'ils voyaient autour d'eux? C'était pas si différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça se passait pas exactement pareil, mais qu'est-ce qu'ils voyaient autour d'eux? Des catastrophes naturelles, des épidémies, des guerres entre les peuples, et aussi cette grande épreuve qui était un petit peu nouvelle,
d'être persécutés justement à cause de leur foi, c'est-à-dire des gens qui s'opposaient à eux parce qu'ils croyaient en la présence de Dieu, la résurrection de Jésus. Et donc, ça a un petit peu changé de nos jours, mais finalement, c'est un peu les mêmes épreuves que nous voyons dans le monde autour de nous, qui parfois nous atteignent personnellement, et qui d'autres fois, sans nous atteindre personnellement, nous font tout de même souffrir, parce qu'on dit, où est-ce que notre monde s'en va? Est-ce qu'il y a vraiment une espérance? Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend? Et donc, aujourd'hui, à nouveau, c'est un appel du Seigneur à croire en sa présence et en son amour. On a entendu tout à l'heure l'expression « Le Seigneur est tout proche, il est à votre porte ». Et cette réponse aussi à l'amour de Dieu qu'on a chanté dans le psaume, « Tu ne peux pas laisser ton ami voir la corruption, tu m'enseigneras le chemin de la vie ». Donc, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous sommes sans cesse invités à ranimer en nous cette espérance que le Seigneur nous accompagne dans les moments difficiles de notre vie et de notre monde, et qu'il va nous donner ce qui est nécessaire pour continuer d'aller de l'avant. Mais l'autre volet, bien sûr, aussi de cette espérance, c'est que oui, nous attendons le secours, le soutien, la lumière qui nous vient de l'amour de Dieu, mais en même temps aussi, oui, nous sommes invités, nous, à faire tout ce qui est possible pour rendre vivante cette espérance-là dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est toujours encourageant quand on voit régulièrement des hommes, des femmes qui, de façon modeste, mais bien réelle, s'engagent pour rendre notre monde un petit peu meilleur. Je voyais encore cette semaine 40 personnes de la paroisse ici qui étaient rassemblées pour une réflexion sur comment accompagner les personnes âgées, les personnes malades, surtout vers la fin de leur vie. Et donc, ça veut dire 40 personnes qui, tout en n'étant pas très jeunes elles-mêmes, ont le goût de donner encore du temps, du cœur, de l'énergie pour accompagner les personnes malades, les personnes isolées. Je voyais la semaine passée aussi des chrétiens, des chrétiennes de la paroisse ici qui participaient à une marche pour demander la sauvegarde de notre terre, de notre monde. Vous savez qu'il y a un grand rassemblement international qui se tient ce temps-ci, mais il y a aussi beaucoup de gens un peu partout qui manifestent que oui, c'est important que nous prenions soin de notre planète, c'est important que nous essayions de garder notre monde vivable pour les générations à venir. Et puis on voit ici aussi, un peu partout dans notre ville, dans notre quartier, des personnes qui s'occupent de l'accueil des immigrants, des réfugiés, non seulement en les aidant matériellement, mais aussi en leur apportant une amitié, un soutien, une aide pour qu'ils puissent faire partie de plus en plus de la vie de notre société. Donc, ce sont tous des gestes qui font qu'on essaie de mettre en œuvre l'espérance que Jésus nous apporte. En un sens, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous avons toujours ces deux réalités. Nous disons au Seigneur, oui, nous attendons tout de toi, puis en même temps, oui, nous devons faire quelque chose pour répondre à ton amour et pour lui donner des mains, pour lui donner des pieds, pour que ton amour soit vraiment présent et actif dans notre monde. Alors aujourd'hui encore, recevons ce message, cette parole de Dieu, non pas comme une parole qui veut nous faire peur, mais comme une parole qui veut faire grandir en nous cette espérance et ce désir de travailler avec le Seigneur et les uns avec les autres pour que notre monde soit de plus en plus transformé dans le sens de la justice et de l'amour. C'est ce que nous allons lui demander en continuant notre célébration. Et maintenant, unissons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous sommes bien conscients de la fragilité de nos vies et de notre monde, mais nous avons confiance dans la présence du Seigneur. Adressons-lui maintenant nos prières et nous répondons, « Seigneur, que ta force nous soutienne. » Pour les gens blessés dans leur corps ou dans leur âme, afin qu'ils retrouvent la paix et la santé, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les personnes migrantes, réfugiées, sans patrie, parfois sans espoir, afin qu'elles rencontrent une main secourable, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les victimes de violences physiques ou verbales, afin qu'elles obtiennent protection et justice, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les gens en autorité, afin qu'ils mettent leur énergie et leur talent au service de ceux et celles qui leur sont confiés, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour notre communauté, afin qu'elle témoigne de l'Évangile avec toujours plus de ferveur, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Et prenons un moment de silence pour présenter au Seigneur nos intentions plus personnelles. Seigneur, toi qui es notre lumière et notre salut, tu es aussi la source de tout amour. Apprends-nous à vivre de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Seigneur, permets que cette offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus ton Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de nous secourir, nous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous libérer de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par Jésus, ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire et nous te chantons. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons ce premier jour de la semaine, le jour où le Christ ressuscita d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes par ton Esprit, afin qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples, en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Fils de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Geneviève et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et nous te supplions, ton sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre,
Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald et ses collaborateurs, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et aujourd'hui, la messe s'est offerte spécialement pour les membres défunts des familles Tanguay et Doucette. Prions pour tous nos parents et amis défunts. Seigneur, nous te les recommandons. Rassemble-nous dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, disons de même cœur la prière que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu dis à tes apôtres et aussi à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous êtes invités à faire un signe de paix aux gens qui sont proches de vous. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Merci aux personnes qui aujourd'hui à nouveau ont assuré les services liturgiques, du chant, de la musique, de la lecture, les ministres de la communion, aussi les personnes à l'accueil et à la préparation à la sacristie, sans oublier aussi notre technicien qui permet de transmettre la messe aux gens dans leur maison. Merci. Et je vous rappelle donc, comme on vous l'a dit au début, que nous avons toujours besoin nouvelles personnes qui participent, qui remplissent les services liturgiques et aussi lors des funérailles. Alors, si vous avez un peu de disponibilité, vous avez des billets que vous pouvez remplir et remettre à la sortie de l'Église. Concluons maintenant ensemble notre prière. Seigneur, nous venons de communiquer le don sacré du corps et du sang de ton Fils et nous te prions l'Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en chacun et chacune de nous la charité
par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bonne semaine et allons dans la paix du Christ. Amen.